cochonnerie avec son pain. Non, c'est faux. Si, Max, c'est vrai. Non, c'est faux, c'est ton papa, le mien. Non. Il va falloir que vous soyez sages tous les deux. Ce soir, nous avons des invités. Est-ce qu'ils savent que Max sera là, hein? Hé, hey, je te rappelle que j'ai 7 ans. Anna, je sais très bien qu'il n'y a rien de plus gênant pour une adolescente que d'avoir des parents en vie. Mais si tu me présentes encore à ton copain comme la bonne, je lui raconte comment tu es devenue propre dans la trompette de ton père. Je peux même lui montrer des photos. Salut. Tosh, est-ce que c'est bien une planche de surf? C'est super cool, hein. J'ai regardé Alerte à Malibu. Toutes les filles sont folles des surfeurs, alors j'ai décidé d'échanger mon vélo contre cette beauté. On habite à 50 km de l'océan. L'océan est un symbole très fort. C'est le paradis pour les garçons. Il y a tout au bord de l'océan. Le soleil, le sable et des filles super mignonnes qui courent sur la plage au ralenti. Tosh, range cette planche avant que Tante Mabel arrive. Tante Mabel va venir. Si c'est pour l'écouter critiquer papa et le traiter d'idiot, non merci. Maman, c'est vrai que papa est un empoté? Bien sûr que non, voyons. Karen! Oh, j'ai un problème! Tosh, va aider ton père à se lever. Anna, c'est un vrai? D'après toi? Arrête! Non! Voilà. Merci, fiston, c'est gentil. J'étais en train d'admirer ces merveilles de la pyrotechnie et j'ai trébuché sur une des fusées. On va avoir un beau spectacle cette année? Le plus beau de tous! J'ai beaucoup appris des erreurs de l'an dernier, ainsi que des erreurs de l'année précédente, mais surtout des erreurs que j'ai faites il y a 3 ans. Eh oh, à quelle heure vous finissez de travailler? Mais pourquoi est-ce que papa insiste? Ton père tient beaucoup à son barbecue. Il passe une journée entière à le préparer, à choisir les plus beaux feux d'artifice et à écrire sa lettre d'excuse à tous les voisins. Bonjour, chérie. Je dois être au palais à 10h. Tu peux aller faire tes courses? Du poulet, des brochettes et des rouleaux de gazon pour remplacer celui qui brûlera ce soir. Et des poules quièces? Non! Moi, je prends tes rouges à lèvres. Ils sont très efficaces. L'an dernier, j'ai rien entendu. Non! D'êtres humains sur la Terre, dont 50% de femmes. Sur ces 3 milliards de femmes, 1 milliard sont soit trop jeunes pour toi, soit trop vieilles, soit s'enfuient quand t'es là. Ou alors, elles sont dans l'espace. Et tu oublies qu'un autre milliard l'a déjà laissé tomber. Ça te laisse encore 1 milliard de femmes. Peut-être, mais il n'y a qu'une femme pour moi. Je suis follement amoureux. Ah oui, et de qui? Oh, je crois qu'il s'agit de Georgia de Valérie. Quoi? La reine des snobs de l'école? Tu te trompes, elle est très timide. Et si elle reste tout le temps le nez en l'air, c'est parce qu'elle a un problème au sinus. Si tu enlèves le D, le A et le I de son nom de famille, et si tu mélanges les lettres qui restent, tu obtiens lèvres, un mot qui fait rêver 3 milliards d'hommes. C'est le destin, on n'y peut rien. Si tu le dis... Ton père a prévu un feu d'artifice ce soir. Si je viens au barbecue de ton père, c'est uniquement à cause de mes parents. Tu sais que je suis contre toute consommation de viande rouge. Oh, ne t'inquiète pas. Mon père déteste la viande rouge, lui aussi. Je suis sûre qu'il n'y en aura pas ce soir. Tosh, où est ton vélo? Oh, je ne l'ai plus, je l'ai changé. Ah, t'as vu, il a une planche de cerf. Vous avez entendu? Je savais que ça marcherait. Attendez que je montre ma planche à Georgia. Bonjour, Georgia, ça va? Je voulais savoir si ça te ferait plaisir de venir au barbecue qu'organise mon père ce soir. Oh, tu veux m'inviter à dîner? Oui, et après, il y aura un feu d'artifice. D'accord, je vais venir. J'ai peur qu'il soit bizarre. Non, c'est un feu d'artifice normal. Je parlais de ta famille. Est-ce que ma famille est bizarre? Parce que s'il y a bien une chose que je déteste plus que tout, ce sont les gens bizarres. Comme ceux qui viennent avec leurs planches de surf à l'école. Tu en as déjà croisé? Non. Pour moi, le dîner est un moment de détente. Où toute la famille se retrouve pour vivre un moment de calme, de tranquillité, de délicatesse et par-dessus tout, d'harmonie. Oh.
une copine qui vient dîner ici ce soir et elle déteste tout ce qui est bizarre. Alors je vous demande de ne rien faire comme vous faites d'habitude. Faites juste des choses normales, comme ça. Facile, non? À vous d'essayer. Tu es ridicule. Bon, je vais me préparer, j'ai rendez-vous avec Henri. Un bizarre éliminé. 5 sur le dos. Bon, disons que tu te trouves sur une île déserte. Arrête ton char, Romain. Où il n'y a aucun légume. Et qu'une vache qui a avalé 1 litre de sauce barbecue tombe d'un avion et vient s'écraser en plein sur ton feu de camp. Alors, tu la manges ou pas? Attends, j'en ai une pour toi. Un type bondit de derrière un buisson et menace de te frapper, sauf si tu arrêtes de poser des questions stupides. Est-ce que tu le fais? Oui, mais ça n'arrivera jamais. Salut! J'ai besoin de votre aide. Georgia va arriver d'une minute à l'autre. Si jamais vous voyez ma famille faire des choses bizarres pendant le barbecue ce soir, je veux que vous fassiez diversion. Diversion? Faites semblant d'être tombé sur un morceau de viande plein de lait. Ah! D'accord, j'avais oublié. Sur des haricots plein de fil. L'autre jour, j'ai découvert que si on s'enduit tout le corps de brillant à lèvres, on n'a plus besoin de se sécher en sortant de la douche. On est complètement sec en 5 secondes, pas plus. Fred, tu ne t'arrêtes donc jamais de penser. Mais on sent la cerise pendant des semaines. Ça a l'air lourd, dès que j'ai fini ma bière, je viens t'aider à la porter dans le jardin. Ah, salut, Sof. Où est maman? Elle a amené Timmy à l'hôpital. Elle a retrouvé le gant en caoutchouc qu'elle avait perdu. Soucoupe numéro 1, ordre d'exterminer tous les invités. Tosh? C'est quoi ce bruit? Mon peuple me vengera! Salut, Karen. Oh, on arrive trop tôt, tu n'as pas encore eu le temps de te changer à ce que je vois. Tante ma belle, le vent a dû faire claquer la porte, désolée. J'espère que mon idiote frère a lancé le barbecue, je meurs de faim, je n'ai plus mangé depuis ce matin. Et encore, j'ai eu que 2 tranches de pain grillé parce que Bernie a réussi à casser le grille-pain. Vous vous rappelez, hein? Normal, mais pas étrangement normal, ni anormalement normal, d'accord? Salut! Tu comptes rester tard, Bernie? Aucune idée. Avant de partir, ma belle m'a dit que le parfum bon marché de Karen lui soulevait l'estomac et qu'elle voulait s'en aller dès qu'elle aurait fini de manger. Oh, ben alors, vous êtes là jusqu'à minuit. Plus que quelques mètres, allez! Le dîner est un moment de calme, de tranquillité, de délicatesse. Et si quelqu'un est assommé par un sac de charbon de bois, je prends ma liste de ce que j'ai envie d'embrasser et j'écris ton nom en dessous de fesses de singe. Fesses de singe! Le feu s'est éteint. Faudrait de l'essence à briquet. Non, regarde la palissade et ton feu. Oh! Tu t'en servir, qu'est-ce que t'en dis? Il est toujours vivant? Oui, je crois qu'il respire. Bon, c'est une excellente nouvelle, mais ce n'est pas le moment de ne pas paniquer. Allez, aidez-moi à le porter. Tosh, ton ami est arrivé. Bon, plan B, aidez-moi à le recouvrir de viande. Bah, désolée, c'est contre mes principes. On n'a pas le choix. Tu dois laisser tes idéaux de côté, Sophie. Et les légumes lui rouleraient dessus, tout serait fichu. J'ai trouvé ce qu'il nous faut. Bien, je vais à la recherche de Tosh.
Ah, ta crème fraîche à tourner, c'est dégoûtant. C'est le shampoing pour la moquette. T'es rien, laissez-moi sortir, c'est un ordre. Bonjour, Tosh. Sophie, Romain, qu'est-ce qui se passe? Oh, rien du tout, pourquoi? Il se passe quelque chose? On était fatigués d'être normaux, alors on a décidé de s'asseoir sur ce talus ordinaire. On dirait qu'il respire. Oh, je suis tombée sur des haricots pleins de fils. Tiens, et si on allait voir ma sœur qui est très banale? Il vaudrait mieux aider Sophie, elle va peut-être mourir. Romain veut devenir docteur, s'il réussit à la sauver, il saura qu'il est vraiment fait pour ça. J'espère que celui qui a vendu la viande à Ralph connaît mieux son métier que celui qui t'a coupé les cheveux. On y est. Oui. Oh, c'était la bonne. Elle ne parle pas du tout français. Moi, je l'ai entendu dire oui. Oh, elle a dit oui. Et c'est du népalais, ça veut dire revenez plus tard, je suis très occupée et très fatiguée. Vous avez une bonne népalaise, c'est rare. Oui, elle est aussi guide de montagne. Il nous fallait quelqu'un qui puisse balayer le toit sans tomber. Tout ça pour que Tosh embrasse Georgia. C'était plus facile d'être son ami quand tout ce dont il rêvait, c'était de réussir à boire du lait par les narines. Voici ma chambre. Rien, laissez-moi sortir ou j'atomise votre ambassadeur. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est la télé, on ne la regarde jamais, mais on la laisse allumer pour le chat. Mais alors, qui frappe à la porte? C'est le chat. Et lui non plus n'aime pas la télé. Attention tout le monde, les quatre premières cuisses de poulet sont... Oh, désolé, Fred les a mangées. Karen, tu as besoin d'aide pour mettre la table? Oui, c'est gentil, ma belle. Bernie, viens nous aider. Tosh, qui a crié? Aucune importance. Tu sais, Georgia, je sens qu'entre nous, il existe un lien très fort. Tu devrais te laver les mains avant de manger. Ah bon? C'est tout droit. Qu'est-ce que vous avez fait, oncle Bernie? Je lui jetais un seau d'eau sur la tête. Il est réveillé maintenant. Ah non, maintenant il est inconscient et mouillé. Et il est où? On l'a caché, dans la salle de bain. Non, pas cette salle de bain là. C'est celle de mes parents. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a une salle de bain à l'étage? Oui, bien sûr, la salle de bain est... Je suis désolée, j'avais oublié. On la prête à la famille de Sophie. Vous prêtez votre salle de bain à la famille de Sophie? Il l'adore. Elle est géniale. Le mois prochain, c'est notre tour. Cette canne était pleine, je meurs de soif. Et oh, oh. Viens, Timothée, papa nous attend chez Karen et Ralph. Oh, bonjour, Madame Johnson. Tosh m'envoie ici pour que je me lave les mains avant de manger. Les fusées sont trop proches les unes des autres, idiot. C'est fait exprès. C'est pour empêcher qu'elles retombent chez les voisins, comme l'année dernière. Fais bien attention à ne pas tomber de cet arbre comme à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 10 ans. Je les ai... Bien. S'il voyait ça, pauvre oncle Bernie. Allons, Sophie, ne me dis pas que tu n'as jamais dû ligoter un oncle évanoui à quelque chose. Qu'est-ce que ta planche fait ici? Je la cache. Et je ne sais pas pourquoi, mais Georgia trouve les planches de surf bizarres. Vous croyez qu'on peut être envoyé en prison pour ça?
Le docteur a réussi à récupérer le pouce et trois doigts et il a dit que le dernier doigt sortirait tout seul. Il n'est pas de ma famille. C'est un voisin. On ne savait pas qu'il habitait ici avant d'acheter la maison. Où est Bernie? La dernière fois que je l'ai vu, il allait aux toilettes. Celles qui sentent mauvais, comme c'est dommage, alors que celles de vos voisins sont si jolies. Oh, Karen, où est ma princesse? Oh, Miss Adolescente mange dans sa chambre pendant qu'elle se prépare. Je suis bien contente de n'avoir jamais eu d'enfant. Pas autant que ceux qu'elle aurait pu avoir. Et où est Max? Je vais lui apporter à manger. Si tu enlèves ton déguisement, je te laisse sortir. Non, jamais! D'accord, comme tu voudras. Bernie reste toujours très longtemps aux toilettes, mais là, il exagère. Quand je l'ai vu, il avait le regard qui disait « J'y suis pour longtemps ». N'est-ce pas fantastique? Tout le monde est réuni, la famille, les amis, les voisins, et on va tous assister à un fabuleux feu d'artifice! Oh, oui! Finalement, j'ai passé une excellente soirée. Et à part l'histoire de la salle de bain prêtée aux voisins, ta famille est tout à fait normale. Fred, viens avec nous! Oh, ce sont des explosifs très dangereux, buvons encore un petit verre, ça nous empêchera d'être nerveux et de faire des bêtises, d'accord? Reculez-vous! Sécurité! Vous êtes prêts? Oui! Tosh, pas maintenant! Si, maintenant! Attaché à la cheminée, je me suis évanoui. Je ferais mieux de descendre. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Zonta réclame vengeance! Merci, Ralph. Très amusant, comme d'habitude. Bon, Timothée, au lit. Je veux rentrer chez moi maintenant. Nous ne reviendrons plus jamais dans cette maison, c'est fini. Georgia chérie, mère vous attend à la maison. Nous allons faire une partie de cartes, boire un grand verre de lait écrémé et nous regarderons Casse-Noisette à la télé. Sa famille est peut-être normale, mais je t'assure que la tienne est beaucoup plus amusante. C'est vrai, elle est amusante. 1 milliard moins 1? Attendez! Je crois que Melinda Subek m'aime bien.